Salut à tous, bienvenue ici Code 26 et on se retrouve pour la suite des petits épisodes de Let's Play sur Torchlight 2 et je suis toujours avec Valentin. Voilà, cette intro est totalement moisie. Mais c'est pas grave, on la garde, voilà. Bon, alors, on va continuer notre partie, hein. Voilà, nous ça fait une semaine qu'on n'a pas joué, donc on sait absolument plus où on en est, je pense qu'il faut prendre le téléporteur. Attends, j'arrive avec la grosse pétoire. Où elle est? Donc, ouais. Voilà. Ouais, je... Oui, non. Quand il faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Faut sauver le monde. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. D'accord. Ce début de partie est totalement moisi. C'est pas grave. On a rien à faire, donc voilà. Ah non, je croyais que je t'avais perdu, mais en fait, c'est juste que t'es pas arrivé. Oh non. Je mets du temps à arriver. Moi, tu sais, j'ai une grosse pétoire. Il faut me laisser le temps d'arriver. Là. Bon. Non, ça va. Je pense qu'on s'est pas trompé d'endroit. Bon, ça va. Il y a toujours des monstres à tuer. C'est pas de soucis. Alors. Ouais, plein de gold. J'ai oublié d'identifier. Alors, je sais. Il y a une armada. Une armada. Ouh là, go. Ouais, y'a même un boss. Même un boss. Mais voilà, ça commence très fort, hein, ce let's play. Allez, yeah. Ouh. Ah oui, c'est un touchdown. Non, arrête. Arrête, on peut plaît. C'est quoi ce mob? Ah mais c'est des élites. En plus, ils sont électriques, tu vois, moi ce qui est bien, ce qui m'arrange pas du tout. Moi, je balance. Mais c'est pas un problème, regarde ça. De mana toujours sympa. Ah. Ouh. Non, on va peut-être pouvoir se mettre à l'artisanat. Il y a de l'artisanat. Ah bon? Ben, je sais pas, je vois schématique alors. Consommable. Non, c'est pas là. C'est nulle part. Non, c'est... Bah, alors. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là? Tac, ça. C'est bien, mais c'est pas pour moi. Putain, est-ce que j'ai des trucs d'ailleurs pour toi? Ah ouais, si tu veux, j'ai un bâton de glace. 41 ouais. Dommages avec... Ah non, c'est bon, du mieux. Voilà. C'est radical. Voilà, quand c'est pas des élites, d'un coup, ça fait un peu pitié. Y'a un golden chest! Ouais, mais on a pas la clé là. T'as récupéré la clé? Pour l'instant, j'ai pas de clé moi. Voilà, bon. Level up! GG. Non, mais la clé elle se trouve souvent sur un mob qui a. Qui ouh, ou de l'heure! Urne, ok. Urne, c'est de l'urne. Putain, je viens de voir. Je vais absolument que mettre mes points. Toujours la même problématique. Ouais. Oh, j'avais pas vu la bombe quoi. C'est bon capitaine, j'ai tout nettoyé. Mais carrément. Voilà. Enfin, d'ailleurs, en parlant de tout nettoyer, Baltimore hier a fait fort hein. Ouais, moi aussi j'ai fait fort. Mais sur la boisson. Oui, parce que comme vous en doutez, bah oui, hier soir c'était le Super Bowl. Le Super Bowl. Ouais, non, mais le match était bien. Les Ravens ont bien joué pendant la première partie et ils sont devenus totalement nuls à chier dans la deuxième. Et oui. Les corbeaux se sont fait abattre les ailes. Tout ça à cause d'une coupure de courant. Non, mais on sait pas si c'est vraiment la raison, mais bon, c'est vrai que ça a été un peu long. Peut-être un peu de surprise. Ah, il y a eu 30 minutes, hein, je crois, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, 30-40 minutes. Ouais. C'est vrai que ça a été un peu long et peut-être que c'est ça qui a fait que. Bah voilà, ils ont beaucoup moins bien joué dans la deuxième période. Quoi. Ou sinon, c'est juste qu'ils étaient vraiment mauvais. Bah, ils ont fait une bonne saison, honnêtement. Enfin, tu vois, j'aurais pas parié directement sur les San Francisco, quoi. Bah, disons qu'en fait, déjà Baltimore avait gagné l'année précédente, quoi, donc bon. Ah, gna gna gna, y'a un coq qui fait gna gna gna. Ok.
Tout est sous contrôle. Ah, d'ailleurs, j'ai passé le level. J'ai même pas fait gaffe. Ah, tu vois, t'as pas mis tes points. Non, en effet, non. Faut falloir que je les mette au prochain. Oh, attends, il s'est passé des vilaines choses ici. On va faire une pause de points. Tout à fait. Pause point. Alors, pause point. Ça y est, j'ai le premier palier de mon plasmatic bolt. Super. Alors, ensuite. Je vais pouvoir mettre aussi maintenant des points donc dans mes passifs. Ouais, c'est sûr que enfin, ça c'est bien intéressant, mais je suis avec quelqu'un donc j'ai pas besoin d'un. Ouais, ce qui est assez sympa dans ce genre d'arbre de talent, c'est qu'on a le choix. Si on est avec quelqu'un, on va pas faire le même arbre de talent que si on est seul, quoi. C'est logique. Non, mais des fois il y a pas spécialement des bons choix, je trouve. Genre Borderlands, ils ont pas. Ils ont pas spécialement favorisé ça, ouais. Non, mais c'est pas par là, il faut qu'on aille là-bas. Oui, mais je te voyais par là, et j'étais en train de lire en plus mon arbre de talent. Donc c'est pas parce que je fais des conneries qu'il faut que tu me suives. Voilà, mais si. Ah, level 10. On est pile bon, hein. Faut voir que ça va être hardcore. C'est vrai que peut-être qu'on devra augmenter la difficulté. On verra quand les gens auront votre taille. C'est ça. C'est vrai que pour le moment, ça va, c'est tranquille. Bah, ça arrive doucement, on va dire. Ouais, enfin. Ouais. Faudrait vraiment qu'il y ait que des élites, quoi, limite, quoi, pour que ce soit un peu compliqué, quoi. Allez, on y va. Moi, le chef, il m'a dit de faire le ménage, je fais le ménage. C'est qui le chef? C'est qui le chef? En fait, c'est ça, mon mec, en fait, c'est un. Oh putain. En fait, le mec que j'ai, c'est un portugais qui parle avec le chef. Un esprit vagabond, bah tiens. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. On a invoqué le simple esprit. L'ambiance est stressante. Mais non. On se croirait chez ma grand-mère. Bah, ta grand-mère est stressante. Mais mamie. C'est ma grand-mère. On touche pas la famille. Ouais, c'est vrai. Oula, mais. Pas de problème, chef, j'y vais! Ouais, d'accord, ouais. Ouf. J'évite les bolts, mais. C'est... Yeah! C'est bon, chef! Ça, c'est fait. Oh, regarde, il y a des petits toutous. Il est revenu sous forme de chat, ça y est, il s'est muté sur notre monde. Ouais, mon mongol, il s'est muté. Mon dieu, on n'est pas gentil. Bah non, mais c'est vrai que non, c'est. Moi, ma mutation d'araignée était beaucoup plus classe. Oui, il se la pète, l'autre avec son araignée. Secret oh oh, bon, elle est vachement secrète au passage, hein. C'est vrai qu'on s'en doutait pas du tout que c'était par là, hein. Ouh, y a du monstre. Non, mais c'est pas par là, c'est un passage secré, il y a juste à avoir des secrets, on va devoir revenir. Pourquoi je me mets au calme? Voilà, j'ai passé le niveau. Bravo. À toi aussi, théoriquement. Théoriquement, peut-être, mais... Sérieux? Ouais. En tout cas, c'était bien sympa, cette petite zone secrète pour devenir des riche. Des anneaux d'or. Hein? Bah, il y avait de l'or par terre sous forme de cercle. Nickel. Ah bon, je vide ma mana dès le début du combat. C'est une technique de mage ancestrale. Ouais, c'est ça. Bon. Tu parles. Bon, vas-y, moi je m'occupe de l'or. Pas de ma faute, j'ai une pétoire qui est relativement surpuissante. Somebody. Boom. Bon bah voilà, on peut se barrer du passage secret. Bah c'était cool hein, le super passage secret Muteki qui permet d'avoir plein de pièces d'or. Mais et d'en récupérer des objets cheatés. Ah oui, c'est vrai, on y allait. Attends, skill point. Skill point. Attends deux secondes, ça va me permettre donc de mettre... Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Oula, j'ai récupéré plein de choses en plus là. Alors hop, on va revenir à ça. Bon voilà. J'ai activé le passif.
Ils resteront un peu bas niveau, mais au moins ils sont activés. Voilà, ok. Bon bah je pars sans toi, hein. Tu manges en arrière. Ouais, c'est ça, ouais. Il me rejoindra dans ma tombe. Bah... c'est pas faux, voilà. On a encore trouvé un passage secret, c'est infernal. Passage secret de partout ici. Il y en a trop. Bon, je t'attends. C'est gentil, merci. Je t'attends parce qu'en plus, ce qui est marrant dans le passage secret, c'est que, ben... il est pas secret. Bon, c'est officiel, j'ai abandonné ma pétoire. Ah. Grosse nouvelle. Breaking news. C'est un peu ça, mais c'est dommage, j'aimais bien ma petite pétoire. Bon, à côté, là, j'ai un truc qui fait du 63 dommage au lieu du 53. Ouais. C'est quoi, plus, je vais m'engager en temps à te retrouver une nouvelle pétoire. Ouais, merci. Je suis prêt à donner tout mon argent. Ah, oui, je ne dis pas non. Hein. Non, mais pour une pétoire. Oui, bah oui, je ne dis pas non non plus. Hein. Allez. On se dépêche. Bon, vais dans le passage secret tout seul. Bon. Attends-moi, maintenant j'ai une super tête de débile. Non. T'es où? Je suis dans le passage secret. Tu sais pas où c'est parce que c'est secret. Ouais, super. Gros secret. Yeah. The goal. Continuer de casser les urnes. Hein. Super, voilà, c'est fait. Attends deux secondes parce que là je suis full. Déjà? Ouais, je sais, mais parce que je... Tu es fou! Je suis pas fou. Attends deux secondes parce que là j'ai eu un objet qui est super épique que j'ai déjà paumé comme d'hab. Ah oui, voilà. Lucky die. Magic ring. Ok, j'ai trop de la chance quoi. Est-ce que je peux le donner comme tag? Non, je peux pas. Non, c'est dommage. Ça se met dans quel emplacement? Ça se met nulle part. C'est... Ah d'accord, ouais, c'est pour mettre sur un... Mais sur c'est super arme. Ça, j'ai des potions violettes. C'est cool. Bah ouais, carrément. C'est cool. C'est génial, mon personnage, on dirait un lutin de Noël transgénique. Oh. Je vais envoyer Hilton pour vendre quelques trucs. Ah, bonne idée, tiens, je vais faire pareil. Ça, ouais, non, ça aurait pu être bien, mais non, ça l'est pas. Là, il y a Fire Armor 8. Allez, on y va, on se lance. Ça, on s'en fout. Non. J'aimerais bien retrouver un nouveau torse. Parce que... En plus, là, voilà la tête de mon perso, quoi. Je vais enlever son homme, voilà. Je vais pas l'afficher parce qu'il est horrible. Quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse peut-être. Ou pas. Ah, mais là, j'ai un truc, tu sais, qui est d'un set. Entre un set et un item normal vert dégueulasse. Là, le truc, c'est qu'il est mieux parce qu'on a pris les niveaux. Ah, mais oui. Les chouettes et combis. Oh! J'ai une nouvelle pétoire! Ah! Bon ben voilà, j'ai économisé beaucoup de PE. Ouais, d'accord. Ça, on s'en fout. J'ai un pistolet. Ça t'intéresse pas un pistolet? Elle est pas belle ma grosse pétoire! Putain, franchement, j'ai une tête mec du cul. Ouais, je vois là, ouais. Non mais non, franchement j'ai une tête de mec du Ku Klux Klan quoi. Ah ouais, j'avoue que c'est que... ça jette hein parce que c'est... Sérieux, c'est ah, moche. Ah c'est cool, je peux prendre ma nouvelle baguette. Enfin bâton, c'est pas une baguette. Le truc qui se porte à deux mains et tout comme ça avec de l'électricité autour, c'est une bonne grosse baguette. Ouais, c'est de la grosse baguette là. Hein. Ouais, je pense aussi. Donc là j'ai gardé quelques trucs. Alors, au passage, hop. Et on va envoyer. Hilton. Aller à Paris. En ville. Énorme blague. Ah, mais carrément.
J'hésitais à la souligner, mais de toute façon... Il y avait rien à souligner, à la limite tu la surlignes et tu la barres. Gnarr, 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 j'ai une nouvelle pétoire. Oh, elle est bien cette nouvelle pétoire. Ouais, c'est assez intéressant je trouve aussi. Il est moyen mon bâton, hein. je retrouve une baguette. Moi elle est bien, elle est bien ma pétoire. Bien ta pétoire. Ah là là là. Bon, alors dis-moi Can. Oui. Il y a une chose que je voudrais te demander. Ah. Honnêtement. Ah honnêtement quoi. Honnêtement. Qu'est-ce que tu en penses de J.J. Abrams qui va devoir aller à la réalisation du prochain Star Wars? En fait, ce qui est con, c'est que ce mec, il est pas mal détesté par tout le monde. Oui, mais en même temps, ça se comprend, hein. Star Trek, voilà. Voilà, mais moi, j'ai tendance à bien l'aimer. Tendance à bien l'aimer pour son passé, en tout cas, de réalisateur de séries. Oui. Mais en fait, s'il restait dans les séries, ce serait bien. J'aimerais bien qu'il refasse des séries, ouais, ça c'est clair, ouais. Mais pas des pilotes, hein, des vraies séries entières, quoi, comme Dollhouse. Mais... Oui. Non, c'était une bonne série, Dollhouse, au passage. C'est malheureusement arrêté ce concept. C'était un bon concept. Donc ouais, qu'il soit sur Star Wars, moi j'aime bien. J'aime bien, parce qu'en fait, je suis un Trekkies, en fait, et ce que je kiffe, c'est un mec qui a fait Star Trek qui va sur Star Wars. En fait, c'est une genre de vengeance, une vengeance personnelle. Ah d'accord, tu vas nous faire une véritable vendetta, toi. En fait, il va y avoir l'Enterprise qui va arriver en plein milieu de Star Wars, tu vas pas comprendre. C'est ça, pourquoi. Tu vas dire, mais what the fuck. Non, après, non, je sais pas, pourquoi pas. Moi, je trouve que Disney, ils ont bien réussi avec Marvel. Donc, oui, et puis ils ont aussi acheté Star Wars. Voilà, donc pourquoi il réussirait pas avec Star Wars, voilà. Ouais. Voilà, le réalisateur, voilà, c'est J.J. Abrams, mais derrière, il y a des créatifs, etc. Et c'est pas tout lui qui va tout faire non plus, quoi. Donc, oui, bah heureusement, on va dire que ça va limiter la casse. Bah ouais, ça dépend, quoi. Il faut voir comment Disney va gérer autour. Quoi. Ouais, alors on va dire vraiment que les avis sont partagés, hein, chez Geek Out. Moi, je serais plutôt du genre à dire... Niveau réalisation, je veux dire, c'est pas... Non mais attends, attends quand même, il a dit qu'il voulait bien réaliser à 10 conditions. La première, oui, déjà, c'est que tu es l'acteur, là, tu sais, là, le mec un peu imposant, là, dans Lost. Dans Lost, ouais. Comment il s'appelle? Barney, je crois, non? Ouais. Non, je sais plus. Mais, enfin, bref, voilà. qui joue, parce qu'il trouvait que c'était un super acteur. Jusque-là, je dis pas le contraire, c'est vrai qu'il joue pas mal. Non, mais de toute façon, il veut juste l'inclure, quoi, au pire. Oui, voilà, mais bah au pire, tu me diras, il pourra très bien jouer Bob... comment il s'appelle, déjà? Jabba, non. Jabba, ouais, si, Jabba. Il pourra très bien jouer Jabba le forestier, hein, pas de problème. Il a déjà le physique de l'emploi. Ouais, mais ce qui peut être sympa aussi, ça serait vraiment peut-être de repartir... Ah, je sais pas, alors là voilà, peut-être que toi tu sais, mais parce que moi je suis pas assez fan de Star Wars. Est-ce que tu sais où ça va se situer? Bah théoriquement ça devrait se situer après, après Luke et Leia, hein, si ça prend la continuité. Mm-hmm. Si ça prend la continuité, c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas tellement d'infos, il y a beaucoup de... Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une nouvelle ère, vraiment... Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de fan-made, tu sais, sur des possibles... comment t'appelles ça? Des possibles... Je cherche affiches, voilà, affiches. Ah, d'accord. Des affiches, il y a beaucoup de fan-made qui sont faits pour les affiches. Donc après, à savoir, est-ce que ce sera vraiment ça ou pas du tout, bah ça reste à voir. Si jamais ça a un lien, on voit un espèce de Jedi dans un champ. Alors, est-ce qu'en fait Han Solo... aurait coquifié Leila avec Chewbacca et que en fait elle aurait couché avec Luke, on ne sait pas. Ouais. Mais bon, ça, la suite pour l'instant est encore totalement indéfinie, je crois. D'accord. Donc voilà. Mais les 10 conditions. Alors déjà, foutre du lens flare. Alors pour ceux qui connaissent pas, lens flare, le lens flare, c'est des espèces de halo de lumière un peu partout. J'ai vu un truc qui était génial. Ils ont repris voilà. Épisode ils ont... 1, 2, 3, ou je sais plus quoi, là, et ils ont mis du lens flare de partout. Donc, on comprend rien. Et en plus, ça a été une des conditions pour que J.J. Abrams réalise le film, c'est-à-dire qu'il y mette autant de lens flare qu'il veut. Alors honnêtement, s'ils mettent ça,
Je crains le pire. On va avoir un Transformers-like à la sauce Star Wars. Mais là ils exagèrent aussi de l'insphère quand ils en parlent comme ça. Quand tu regardes ce qu'il a fait précédemment, d'accord, il aime bien visuellement, en tout cas ça donne un vrai cachet. Pourquoi pas Je sais pas si ça met du cachet, mais en tout cas ça rajoute de l'image quoi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, je suis vraiment pas contre en tout cas les lanceurs. Bon, il faut pas en abuser, je suis d'accord. Quand on voit la vidéo, je la mettrai dans les commentaires. Voilà. Ça peut être intéressant pour que les gens puissent voir enfin de quoi qu'on parle. Voilà. Mais honnêtement, j'ai très très peur. Ayant déjà trouvé que George Lucas avait fait de la merde sur le 1, 2, 3, parce que pour moi, les seuls et vrais Star Wars, ça restera toujours le 4, 5, 6. Le premier, le numéro 1, était passable. Et alors le 2, ils sont partis dans des délires. Et le 3, n'en parlons même pas. Enfin bon, ça après, ce n'est encore que mon avis de fan de Star Wars. Ouais. Non mais voilà. je trouve ça quand même, voilà quoi. La meuf, je veux dire, Amidala qui accouche comme ça et qui sait déjà le nom qu'elle va donner. Elle, je l'appellerai Layla. Et elle, je l'appellerai... Zlatan. Ah non, merde, c'est un homme, merde. C'est merde. Une nouvelle version, il va l'appeler Zlatan. Il va arriver, il va mettre un coup de boule. Il sort, médecin, poum, coup de boule direct. Skill point. Non. Ah si, mince. Zut. Hop, voilà. Donc. Voilà. Allô. Ah, il y a eu beaucoup de morts apparemment. Ah, on va devoir prendre le TP, je crois, mon grand. Ah, ça sent le boss. On dirait Léviator. Ah non, c'est pas Léviator. Ah mon dieu. On dirait un Pokémon, regarde-moi ça, là au milieu, là à droite. Mais tellement. Le général Grell. Comment il s'appelait le Pokémon là, qui était dans la flotte là? C'était pas Léviator ou Léviator. Non, pas Léviator. Mais un, c'est genre tout mignon, parce que Léviator il avait un côté violent quand même. Ah, je sais plus. Et je me souviens très bien dans Pokémon Snap, on pouvait le choper dans le premier niveau en regardant à droite assez rapidement après Pikachu qui mettait sa bande de soeur. Oui, je m'en souviens maintenant. Ah. Pour ceux qui n'ont pas la culture Pokémon, passez votre tour. P1. N'achetez pas Pokémon Y et X, je sais plus ce que c'est. C'est quoi? C'est Y et X, je crois, la nouvelle version. C'est ça, Y et X. Ouais. Bon, allez, la Général Grell, là. Ouh. Aïe, mais lâche-moi, ça va. Bon, bah voilà, ça c'est fait, hein. Ouais. C'était facile, hein, on n'a pas à stresser, hein, c'était pas stressant du tout. On va pouvoir aller voir notre Pokémon. Attends, on va dire un passage secret ici. Où ça, des nouvelles lianes? Ah ouais, des lianes! Ah, le boss chest! Ah, le boss chest! Oh, du gold! Ah, je suis full encore, mais c'est pas croyable, je remplis mon sac, mais avec n'importe quoi en même temps. Attends, ah, c'est le gardien de l'eau en fait! Ouais, bah il ressemble vraiment au Pokémon. Ah. Ah, il ressemble vachement à un Pokémon. Ceux qui s'en souviennent devant leur écran en train de gueuler, mais. Désolé, on s'entend ça. Désolé, on vous entend pas, on peut rien y faire. C'est ça. Pour ceux qui gueulent, bah écoutez, vous savez quoi? Bah on vous entend pas. Mais dans les commentaires, on va les entendre. On va surtout les lire. Donc, à dextérité. T'inquiète pas, vas-y, moi j'ai découvert un autre coffre là-bas, là, au fond. Ouais, je suis en train de m'occuper de ma vente. Je suis en train de faire une brocante là. Brocante. Alors voyons voir. Ouh, j'ai plein de trucs. Alors, on va faire mon petit marché. N'empêche, en parlant de brocante, j'ai regardé des vidéos qui étaient vraiment super sympas avec Atomium. Je sais pas si tu connais Atomium. Si, je connais. Voilà, un youtubeur très fan de rétro gaming, etc. Il fait plein d'émissions qui sont hyper sympas sur le manga, sur le rétro gaming évidemment. Il fait des lives qui sont super et tout. Il est pas mauvais dans plein de jeux. Oui. Et il a tourné avec des potes, un truc qui s'appelle Brocante Madness.
Oui. Et en fait, ils font le tour des brocantes de leur région. Donc je sais plus vers quelle ville ils sont, mais enfin voilà, ils font plein de brocantes tout pour trouver des jeux vidéo. D'accord. Voilà. Sympa. Donc ça c'est sympa. On les suit, on voit un peu comment ils font pour dénicher des trucs, quoi. Et c'est super sympa à regarder quand on aime évidemment le rétro gaming et qu'on s'intéresse un minimum. Parce que sur internet il y a énormément d'arnaques. Franchement, je sais pas si t'es déjà allé sur eBay pour essayer juste de choper une NES, quoi. Si, si. Essayer de choper une NES sur eBay, t'es obligé d'en avoir pour plus de, ben, je sais pas, 40 euros minimum, mais ça monte après hyper vite pour n'importe quoi. Juste qui est Zelda qui est juste le jeu le plus vendu de la NES et ils le vendent à des prix astronomiques, alors franchement, tout le monde l'a ce jeu. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est assez sympa de voir. Ben, comment ils font en fait pour dénicher des trucs un peu sympas. Donc voilà, Brocante Madness. Je comprends pas que c'est sur, par contre, je crois que c'est pas sur la chaîne directement d'Atomium directement. Mais il suffit de taper Brocante Madness, ça se trouve. Hop, j'ai réussi à faire le tri de ce que je voulais faire. Hop. Ah, il faut parler au Pokémon! Attends, je me la joue à la Gimli, là, je viens d'équiper une hache en corps à corps. D'accord. Donc voilà, vous avez ma gratitude, etc. Merci, citoyen. Ah, faut parler au Pokémon, oui. Ouais, voilà. Ouh, il y a du joli loot! Donc il y a le mâle qui est en train de venir, etc., qui parcourt les terres. Les alchimistes ils cherchent donc en fait un médicament, une cure. Une cure ça marche aussi, hein. Cure. Ça peut. Voilà. Donc pour le fameux Ember Bright. Il y a du menace, on s'en fout, c'est cool. Voilà, donc en fait il faut toujours sauver le monde. Alors, toujours sauver le monde et il faut toujours aider les alchimistes. Qui ont une putain d'importance dans cet univers. Trop bien, il y a un nouveau portail. Il y a un portail qui est popé. Ça me rappelle déjà Line of Time. Quand tu bats le boss. Alors qu'est-ce qu'on a? Mais il y a des trucs super. Moi qui voulais changer mon torse, je suis contente. Par contre, peut-être ça peut être vachement intéressant. Enfin, je sais pas. Le choix est dur. Peut-être. Je préfère avoir en fait un. Je préfère avoir une bonne défense, moi. Moi, je préfère avoir un emplacement pour mettre une gemme. Alors que l'autre, il en a pas. Ouais, je vais prendre le torse avec l'emplacement pour les gemmes. Ouais. C'est cool là. Et je vais pouvoir mettre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh, je suis mignon! Oula, non, j'ai une gemme, elle est abusée. Hein. Tous les dommages reçus sont réduits de 3%. J'ai 3% de critical hit chance, donc ouais, je vais plutôt mettre ça sur mon nouveau torse. Hop. Mon pet. Ok. Ah bah maintenant ça y est, on a le gemme smasher. Donc là lui à mon avis il détruit les gemmes. Et ah lui, ça y est, c'est ce gemme saver. Bah on a débloqué en tout cas des gens. Des gens, des messieurs qui vont servir à quelque chose. Je prends ça parce que j'ai le 7 maintenant. Je vais essayer. Je sais pas ce que ça va faire en fait. Enfin, ça me saoule, j'ai des bonnes gemmes quand même. Bon ça on s'en fout, tiens. Ah d'accord. Donc ça. Ah non, place. Ah non, d'accord, là on place un item. Je suis pas sûr de jeter ça en fait. Ouais, si. Non, ça change rien, d'accord. J'ai rien pigé au système. Ah mais non, je sais, d'accord, j'ai compris. On met un plastron avec une gemme dessus et lui il sauve la gemme. Il la récupère. Voilà. Oulala. J'ai pas la patate. Alors. Le Super Bowl m'a tué. D'ailleurs, on en a à combien de temps là à peu près déjà de tournage? Bon, on en est à plus de 20, 23 minutes, 25 minutes. Ah, bah on va peut-être se quitter là et se retrouver au prochain alors. Bah oui.
Bon, bah dans ce cas, on se donne rendez-vous aux prochaines aventures de Canette à 26 et de Valentin. Mais tout à fait, ah dans 2-3 jours. 2-3 jours alors, bisous tout le monde. À tout à l'heure. Surtout, n'hésitez pas à mettre plein de j'aime, un pouce vert et tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, on le dira jamais assez. On le dira jamais assez, c'est ce qui nous aide. Voilà, bisous tout le monde. Ciao.